voici les tomates cerises, bientôt mûres. Donc là, c'est toutes des graines d'héritage, donc de la semence traditionnelle bio, achetée chez Copopoli ou Biogerne. Et donc ça permet de récupérer les graines pour les ressemer ensuite et ça refera le fruit. Alors que les graines achetées dans d'autres types de magasins, bah c'est une fois quoi, ça refait pas la plante va pousser mais ça ne refait pas forcément le fruit après la fleur. Ou des fois même pas la fleur tout court. Donc voilà, là au moins c'est bien des graines bio, des graines d'héritage et non F1. Autre petite précision, donc c'est non tuteuré et apparemment en non tuteurant les tomates, ça en donne beaucoup plus. Pareil les gourmands, j'ai fait des essais en les enlevant, d'autres en les laissant et apparemment elles seraient plus fortifiées, plus résistantes les plantes si on laisse les gourmands en place, ça évite que les maladies s'infiltrent, particulièrement quand il pleut quelques jours après. Donc là j'ai fait un essai comme ça, donc ça paraît un petit peu plus ou moins à l'abandon mais pas du tout, hein. C'est volontaire, c'est fait exprès. Parce que là on ne les voit peut-être pas complètement mais j'en ai quand même pas mal. Une petite tomate, voilà, donc c'est une bonne chose je pense. Ce qui est bien c'est que là, tous les jours il y en a, donc on les mange au fur et à mesure. Il y en a pas mal quand même. Là il y en a des vertes, pas mûres, là il y en a qui sont mûres. Voilà, donc régulièrement il y a des petites tomates cerises.